Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto comment installer Naruto Slugfest rapidement en quelques minutes. Mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Donc, on est sur une vidéo d'une anglaise ou d'un anglais qui a partagé comment installer le jeu. Sauf qu'il parle pas, donc moi je vais vous énumérer un peu les étapes. Attendez, juste je baisse, j'enlève ça. Comme ça. Voilà. Donc, on est sur mon émulateur. Donc, ce que vous faites, vous allez appuyer sur le lien que je vous ai envoyé, que j'ai mis en description. Faudra installer le fichier UNRAR. L'extraire. Une fois après avoir extrait le fichier, vous allez dans vos fichiers. Dans vos fichiers installation, vous installez l'application Naruto Mars APK. Faut que ça finisse par APK. Vous ouvrez l'application. On avance, on s'en fout de ça. Donc là, quand vous allez ouvrir le jeu, après avoir passé l'introduction, il y aura un black screen. Donc c'est tout à fait normal. Vous allez retourner dans vos fichiers. Donc comme il l'a fait, vous allez dans vos fichiers. Et dans vos fichiers, vous allez dans installation ou téléchargement. Ou download pour si vous avez un téléphone anglais. Vous suivez les étapes Android, Hop, et vous sélectionnez les fichiers que vous avez téléchargés. Si vous n'avez pas attendez, si vous n'avez pas ce fichier-là, attendez, il arrive. Si vous n'avez pas ce fichier-là, là, le com.sinin.mnsen.1 ou Android, si vous ne l'avez pas, il faudra le créer. Une fois après l'avoir créé, les fichiers que je vous ai demandé de copier, vous les transférez ici. Vous les copiez ici. Vous les collez ici, dans ce fichier-là. Voilà, vous sélectionnez. Dossier vide, il n'y aura rien. Et là, vous revenez, comme il le dit, vous revenez sur les fichiers installés, vous les copiez et vous les collez ici. Donc là, on passe l'étape. Donc, le fichier, faudra copier. Le fichier main.3.com sinin msn. Donc vous allez avoir trois fichiers. Faut mettre le plus gros fichier. Le plus gros fichier. De toute façon, je vous mettrai le nom du fichier qu'il faudra mettre dans le fichier vide. Donc le fichier. Ça, comme je vous dis, ça sera le plus gros fichier qui pèse 2,7 gigaoctets. Donc il faudra mettre celui-là dans le fichier vide qui s'appelle com.sinim.msnm.org. Et ainsi de suite, copier, vous coller, vous allez rouvrir le jeu et ça va marcher. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner et à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Allez, ciao tout le monde. Peace.